Donc les 25 ans de but par yard, donc une année de plus en fait, et voilà, tout se passe bien, on continue, les années sont dures, les récentes années, et voilà, donc on les fait tranquillement, on fera les 35 ans aussi, tu vois, et c'est surtout pour les disparus, voilà, voilà. Dédicace aux disparus, basta. Ben c'est 25 années de joie, 25 années de galère aussi, beaucoup plus de galère que de joie. Hein. Parce que ben, notre groupe va en fonction de notre club. C'est sûr que le 20e anniversaire, ben, on a été un peu plus joyeux. Mais c'est quand même beau de voir 150-200 personnes à l'apéritif à 3h30 de l'après-midi. Ça fait du bien de voir un peu toutes les générations confondues, malgré que les anciens ne soient pas encore tous arrivés. Ce soir, je pense qu'on va faire de belles animations. On espère une victoire de la Paillade pour qu'on se sauve définitivement, en plus gagner Lyon, ma foi, quoi de mieux. Et on est quand même content, malgré que ben, on aurait espéré quand même beaucoup plus. C'est sûr que pour le 20e anniversaire, on avait fait un rassemblement à Seine-Neuve, on avait fait un cortège à plus de 1000 personnes sur l'avenue. On jouait le titre. Là, on joue pour ne pas descendre. Donc, comme je vous dis, on fait vraiment partie intégrante du club. On vit, on mange, on dort football. Pour être capot, il y en a beaucoup qui sont passés. Ça en a fait partie. Ouais. Ça représente, c'est quoi être capot de la BPR? C'est avoir beaucoup de problèmes déjà. Mais, la Mais après, la mentalité, ben voilà, c'est ça. C'est haranguer les foules, tout donner, aimer partager cet enthousiasme qu'on a pendant 90 minutes et tout le reste de l'année. Maintenant, c'est sûr que j'ai levé le pied, plus que le pied, j'ai levé les deux pieds. Heureusement, il y a la nouvelle génération avec Gaël qui arrive derrière. Ça implique beaucoup de choses. Après, il y en a qui ont essayé, le charisme, ça ne s'achète pas. Il y en a qui pensaient l'avoir. Comme je dis, ça ne s'achète pas. Les autres qu'il y a eu, ce sont des capots historiques. Comme même Laurent Socorro a fait partie à une époque. Je pense à Bruno, je pense à Bouchon, je pense à Mathieu qui est disparu, pauvrette. Je pense à lui ce soir. Il y aura une spéciale dédicace à tous nos disparus justement. Et je pense au futur à Gaël et à tous les autres qui vont nous précéder. Mais longue vie au mouvement ultra, longue vie à cette mentalité paillade. Longue vie au bordel. C'est toujours beau, mais c'est pas forcément ce qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est que tous les gens qui sont là et le sourire, qu'on passe une très bonne journée. On a beaucoup travaillé sur le tifo. Donc maintenant, on n'a pas fait une très grosse saison. J'espère que les prochaines vont être réussies. Après, les résultats de l'équipe ne nous aident pas forcément. Mais on est là, on lâchera rien. Qu'il soit premier, qu'il soit dernier, on sera partout. Et puis après, on verra. En espérant fêter nos 34 surtout. Et puis on avance. Doucement, on avance. Après, nous, on assurera derrière en tribune. Lolo, je sais qu'il... Le capot, c'est lui maintenant. Je sais qu'il donne tout. Non, faut pas que tu lâches. Non, mais je serai là derrière. Tu restes avec nous. Voilà. Mais on lâchera rien. C'est sûr que la butte paillade sera là encore des années. Petit, gros, moyen, on verra bien, mais on sera là. On lâchera pas. Ouf, il y en a tellement. Moi, ce qui me remonte en premier, c'est quand on est arrivé avec Sylvain. Moi, je fais partie de la génération de Sylvain. On est arrivé à l'époque où Mathieu était encore en vie. Donc Mathieu nous a inculqué cette mentalité ultra qui, à l'époque, n'était pas encore bien développée dans la tribune. On a beaucoup lutté avec Sylvain pour que cette mentalité prenne le pas dans la tribune. On a mal lutté que les cheveux soient tombés. À tous les deux. Et moi, j'ai jamais été un capot. Moi, j'ai plutôt toujours été un peu dans l'ombre, on va dire. Moi personnellement, j'ai quitté le groupe il y a quelques années pour des raisons personnelles, mais je suis toujours. Je vois plus tribune maintenant que groupe. Mais c'est vrai que tu peux pas parler de cette tribune sans la butte paillade qui est son moteur. Donc, ça me fait chaud au cœur de voir ce groupe arriver aux 25 ans parce qu'il le mérite. Bon, c'est sûr que les 20 ans ont fêté le titre, les 25 ont fêté le maintien. Mais ça fait plaisir de voir qu'il y a une nouvelle génération qui est arrivée derrière parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de répression. On a perdu beaucoup de monde. Ceux qui sont restés, c'est ceux vraiment qui ont, qui
qui n'ont vraiment pas eu peur de sacrifier leur vie professionnelle, personnelle, etc. Donc je suis vraiment content qu'il y ait cette génération qui arrive. On a beaucoup eu de pression, nous, la génération d'avant. J'espère qu'ils en auront un peu moins et qu'ils arriveront à perpétuer la chose. On est peut-être moins charismatique quand même que certains gros groupes français, mais disons qu'arrivé au bout d'un moment, au bout de 25 ans d'histoire, il n'y a plus tellement de groupes qui restent dans la course. Montpellier, on a eu une année quand même, on a eu une époque assez faste où on a été un peu le renouveau du mouvement. On a fait partie de ces nouvelles villes qui remontent en D1 et qui se relancent, un peu comme l'ont vécu les Nantais. Voilà. Donc je pense que c'est ça aussi que retiennent les gens. On a été beaucoup axé sur la mentalité ultra aussi pure qu'on pouvait. On a été toujours partie prenante de tout ce qui se faisait contre la répression envers les ultras. Donc je pense que c'est ce côté-là, un peu contre la répression, où on a fait partie des gens qui ont fait bouger les choses sans en être forcément les pionniers. Hein. Mais c'est peut-être ça surtout qui fait qu'on connaît la butte paillarde. Ben, après moi, je pense que le club il s'effondre pas. Le club il est là depuis 1974. La famille Nicolin l'a toujours géré, elle a toujours mis son argent personnel. C'est vrai que c'est un peu facile des fois de critiquer, mais bon, à un moment donné, quelqu'un qui a mis tous ses billes personnelles et qui continue à le faire au long des années, on ne peut que respecter ça. Après nous, on sera toujours là. À un moment donné, il faut être objectif. On est quand même un club avec un budget limité et on a toujours réussi à faire des choses avec peu de moyens. Quand on a gagné le titre, personne ne l'a vu venir et je pense que c'est encore plus beau. Moi, je préfère rester quand même un club familial que de verser dans le foot business. Nous, ça ne nous intéresse pas. Donc, parmi toutes les personnes justement qui ont marqué l'histoire de la tribune, bien entendu, bien évidemment, sans oublier nos voisins de tribune, nos voisins, nos frères de tribune, Armata Ultra, bien entendu. Oui, quel regard on a sur ce groupe voisin en tribune et ses 25 ans? Écoute, moi, la butte paillade, c'est mes frères, voilà, c'est ma famille. Oh, on est tous une même famille, que ce soit l'Armata, la butte paillade, c'est la même tribune. Et personnellement, le regard que j'en ai, je le vis comme eux. Ils ont 25 ans, c'est comme si moi j'avais 25 ans aussi. Je le partage avec eux, parce que c'est vraiment ma famille. Voilà. Et tout ça, l'Armata, on partage le même point de vue. On a tous le même but, on est tous pareils. Malgré les différends qu'il y a pu avoir, c'est normal, qui n'a pas eu de différends avec ses frères ou avec sa famille. Malgré les différends qu'il y a eu, il n'y a pas de différence entre nous et ça c'est bien, voilà, c'est ça que je ressens comme ça. Voilà. Écoute, sur la saison qu'on a fait, ça a été assez compliqué. On va dire que Laurent Nicolin a pris les dispositions nécessaires pour qu'il y ait une vraie unité au sein du club avec des supporters, comme avec tout le monde et surtout avec les supporters, et c'est quelque chose qui avait été assez inédit depuis le début, quoi, donc c'est bien. Moi je trouve qu'au sein du club il y a vraiment une entente, une union sacrée avec eux, et ça a été vraiment à l'initiative de Laurent Nicolin et c'est vachement bien au niveau du club. Après sportivement, je ne veux pas trop parler sportivement, j'aime pas trop parce qu'en fait la vérité c'est que qu'on perde, qu'on gagne. Quand on sera en D2 ou champion, on sera toujours là. Donc en vérité, les gars, allez-y, faites-nous rêver. Si vous ne nous faites pas rêver, ben on sera derrière vous. Après, il faut mouiller le maillot, bien sûr. Pas tout, pas non plus des moutons. Mais sportivement, voilà, on se maintient cette année. On passe à autre chose l'année prochaine. Et on verra bien. C'est eux qui ont les clés, pas nous. Oui, depuis le début de la butte paillade. Alors ça a commencé pour moi en 74. J'ai joué un petit peu avec Nicolas, qui était mon président à l'époque. Et à un moment donné, j'étais avec le club central des supporters. Et j'ai décidé de monter mon propre groupe, c'est-à-dire la BP. Ça s'est fait donc en 91. Et sans Bernard Socorro, club central des supporters, jamais ça aurait pu se faire. C'est lui qui nous a avancé l'argent. Ben, butte paillade, c'est simple, parce que c'était la butte, c'est mythique hein, pour nous. Paillade, parce qu'on est à la paillade. Or, d'aucuns voulaient butte nord, etc., etc.
ben, on a préféré prendre Vite Payade parce que ça sonnait mieux à la configuration du quartier à notre club. Oui, un gros club de supporters qui suit son équipe partout, même si on l'a suivi déjà un peu partout, mais avec un peu plus de hargne dans le bon sens du terme, et vraiment accro de notre équipe. D'ailleurs, en aparté, juste pour mémoire pour les anciens, savoir qu'il y avait un magazine qui s'appelait Supmag, et on a quand même figuré deux années, je crois, dans deuxième et troisième au niveau du championnat des supporters de France. Donc c'était une victoire. Il y en a un particulièrement qui me tient à cœur, c'est Jeannot, voilà, qui a été aussi un fondateur. Paix à son âme, il est parti un peu trop tôt comme beaucoup. Et un immense chapeau à un ami très fidèle, parti un peu trop tôt, notre capo, Mathieu, à laquelle on pense à chaque match, et voire un peu plus pour certains qui l'ont connu vraiment intimement. Voilà, après, il y en a eu d'autres, il y en a eu plein, Gilles, etc. etc. Donc on a vraiment eu une osmose tous ensemble, et c'est de là que c'est parti. Ben, pérennise, je ne vais pas dire grâce aux anciens, mais peut-être un petit peu à cause des anciens, et avec la ferveur que les jeunes ont pris et ont remis, tout n'a pas toujours été bon, tout n'a pas toujours été facile pour eux, mais ils ont su relever la tête, s'accrocher et pénaliser la Bune Payade qui, à un moment donné, il faut bien l'admettre, a failli disparaître. C'est toujours et c'est surtout l'esprit Payada. N'oublions pas nos couleurs qui étaient rouge et blanche. Et n'oublions pas non plus notre mascotte qui à l'époque, très peu s'en souviennent, était le dauphin. Donc on sait nager, les supporters, et on nagera encore loin et on arrivera à bon port. Comment ça a commencé il y a 25 ans? Ben, j'étais déjà au stade, j'avais 13 ans, donc en plein âge où j'ai suivi le mouvement et monté tous les échelons pour participer à cette grande aventure. Et voilà. C'est quoi la mentalité de la butte un peu? On a toujours dit, les Payadins ne lâchent rien. Je pense que on l'a montré et on le montre encore. Des bons, des mauvais moments à titre personnel et même au niveau du groupe, j'imagine qu'il y en a eu. Toi, t'as pris le méga, il y a eu des bons souvenirs, des mauvais souvenirs. Tu peux nous en donner quelques-uns? Ouais, même les mauvais souvenirs, avec le temps, deviennent des bons souvenirs. On a eu la période de Ligue 2, mais on s'est amusé, on était entre nous. Et voilà, on a des bons souvenirs, quoi. Ça a soudé le groupe, les années de galère en Ligue 2. Ça a créé une bande de copains. Et il y a d'autres générations qui suivent maintenant, et voilà, c'est magnifique. Ouais, être un peu le leader avec le mégaphone, ça procure quoi comme sensation? C'est une grosse responsabilité, donc ouais, quand tout ton tour arrive, t'es fier. C'est une grosse responsabilité de réussir à faire chanter nos tribunes. C'est pas donné à tout le monde, il y a plus des années, on l'a vu. Mais ouais, voilà, c'est pas. C'est un poste. Voilà, c'est vraiment. Il faut s'engager à fond, les déplacements, et donner beaucoup de temps. Voilà. Bon, cette soirée, c'est une soirée importante, anniversaire. Oui. Malgré la saison un peu décevante. Ouais, mais moi je dirais pas le classement, il ne reflète pas la saison parce qu'on a fait des gros matchs. Vraiment des gros coups, après on a eu des moins bien. Je pense comme l'entraîneur et le président a résumé, je pense que tout le monde a été surpris. On a tous eu des moments de baisse. Et le truc c'est de tout le monde se reprendre en main pour se relancer l'année prochaine et de repartir de plus belle. Allez Mou, c'était un peu l'œil de la butte Payade. Ben, déjà on se rend compte qu'il y a 5 ans qui sont passés quoi. Et ces 5 ans, malgré qu'on n'ait pas eu de superbes saisons, footballistiquement parlant, entre le titre et maintenant, on a quand même vécu des choses humainement, et ça change pas, quels que soient les résultats du club. Moi, je suis venu à la base, j'étais venu avec un caméscope pour filmer la génération Gambardella, avec Abdelhamid El Kaoutari, Kabela, Belanda, et puis j'ai glissé, quoi. J'ai glissé dans la butte, et j'ai découvert, je compare pas avec les joueurs, mais j'ai découvert une richesse humaine. Et voilà, ben j'ai suivi la butte à l'extérieur, j'ai suivi la butte en Europe, j'ai suivi la butte à domicile, dans des petites fêtes. Tu sais Nico, il y a une chanson de Tina Turner qui est reprise d'un groupe de rock. Le titre c'est Proud Mary. Rolling on the river. Ça raconte l'histoire d'une personne qui a travaillé dur toute sa vie, qui s'en sortait pas. Et qui changeait de ville tout le temps, qui cherchait une voie et à qui on a dit va,
va vers la rivière, tu vas rencontrer un peuple, le peuple de la rivière. C'est un peuple qui partage, c'est un peuple qui est humain, c'est un peuple qui t'accueille et c'est un peuple qui ne regarde pas ce que tu as pour t'aimer, ce que tu as ou ce que tu n'as pas. Et je trouve que cette chanson, elle ressemble énormément à la Butte Paillade. L'écho que je reçois souvent de supporters, il faut savoir que j'ai reçu en fait énormément de messages, de mails, d'ultra d'autres clubs qui sont censés être rivaux et qui m'ont toujours complimenté autant pour le travail de vidéo mais surtout pour l'ambiance, pour les choses qu'ils voient. Ils s'y reconnaissent et ceux qui ne s'y reconnaissent pas envient quelque chose qu'on a. C'est un certain esprit de liberté. C'est un esprit de liberté en fait qui n'est pas forcément qu'à la Butte, c'est le Languedoc. On a eu des chanteurs comme Brassens, on a eu des Bobby Lapointe, c'est toujours des artistes qu'on a ici, Réglisse. C'est des gens libres, c'est des gens populaires, c'est une culture populaire libre qui n'est pas hyper disciplinée. Je crois qu'on est aux antipodes de ce qui se fait en Allemagne par exemple, même si on aime. La Butte Paillade, c'est pas quelque chose de rangé, quoi. C'est pas en rang. Chacun reste tel qu'il est à la Butte Paillade. Il enfile juste ses couleurs orange et bleu, mais on ne se dénature pas pour être dans la Butte Paillade. Ben voilà, si je voudrais vous dire bon anniversaire et surtout, il y a un truc que je tiens vraiment à vous dire, c'est que vous me remerciez tous les jours par rapport aux choses que j'ai pu faire, aux choses que j'ai pu vous apporter. Mais moi, il faut que vous sachiez que quand je rentrais chez moi, vos montages, j'étais encore avec vos chants et il est arrivé très peu de montages où je n'ai pas eu de larmes. Voilà, des larmes, vous m'avez mis des larmes. J'ai eu énormément d'émotions, alors ça me fait drôle que vous me remerciez parce que c'est moi qui vous suis reconnaissant pour tout ce que vous m'avez apporté humainement. Vous êtes le petit peuple payadin et voilà, ben, je suis là, je vous aime. Je vous souhaite bon anniversaire et j'espère les 30 ans, quoi. Les 30 ans, toujours en Ligue 1, hein, sans passer par la D2.